Aïe. Aïe. Comment est-ce ça? Comment ça va là? Ça va bien ou... Alors je tiens à vous le dire. De 1, je suis toujours crevé, j'ai beau m'être reposé, je suis toujours crevé. De 2, j'ai un seum intersidéral. De 3, j'ai un giga seum de mort, tout simplement. Ouais, non, vraiment, je suis dégoûté et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais peut-être attendre que du monde arrive pour vous montrer ça, pour vous montrer la débandade. Ça fait débander, c'est pour dire. C'est pour dire. Mais non, je suis. Je suis plutôt dans le mal, on va pas se mentir actuellement. Et si vous lisez le titre, ce que beaucoup de monde ne fait pas, vous allez comprendre pourquoi. Enfin. Allez, je réessaye une dernière fois de la mettre pour. Et alors peut-être. Ok, si je force un peu, voilà. Est-ce que ça. Oh. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Ah vraiment, c'est la merde. Bon allez, c'est pas grave, y a personne, mais. Mais it's time to le face reveal. Le face reveal, est-ce que je vais vous montrer mon huc? C'est quoi ça? Ah, ouh! Ouh, je sais pas. Y a pas d'écharde dans ma chaise! C'est un bois, il y a un peu plus lisse. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'est rentré dans la jambe. Je sais pas, ça doit être une friction, j'en ai aucune idée. Et oui, du coup. Et bah du coup, bah. Et bah ma caméra, hein, tout simplement. Génial, n'est-ce pas? Vous adorez cette vue, la vue du nez? Attention. Ça me dépite. Ça me dépite, ça me dépite! Ça fait 2 ans que j'essaie de prendre soin de la qualité vidéo et audio! Et là, tout est cassé! Ça m'attriste de fou. Faudrait que je demande. Alors, bah tiens, tant que j'y pense. Tiens, tant que j'y pense, parce que c'est quand même un peu important. Je vais demander à mon ami. Laura, il y aurait moyen que lundi, tu ramènes l'un des objectifs que tu avais sur ton petit Sony pour voir si c'est pas mon objectif qui est tout simplement qui a dû recevoir un choc ou qui est dans le pire des cas mort. Ce serait super sympa si t'as moyen de faire ça. Merci. Parce que si c'est mon objectif qui a pris un coup, déjà ce serait super chiant, mais au moins c'est pas l'appareil photo. Qui serait muerto. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Quand j'allume mon appareil photo, il y a ça qui se déplie. Enfin, genre, il s'allume l'objectif. Là, ça ne bouge plus. Et quand je vais appuyer sur un truc, enfin, normalement, ça le fait juste avec le temps. Bon, ça. Voilà. Là, il y a marqué. Alors, je vais vous lire. Impossible de reconnaître l'objectif et fixez-le correctement. C'est pas rassurant, hein. C'est pas rassurant du tout. En tout cas, moi, ça me met pas dans le bien. Bon. Après, truc un peu positif, rien à voir, mais un peu positif. Je sais pas si vous connaissez le site Deal Labs, mais là, je sais pas, j'aime trop en ce moment. Genre, des gens qui ont des questions à propos de micro ou sur les forums qui parlent de micro. Aider, donner mon avis, des trucs comme ça, j'aime trop. C'est d'ailleurs, je vais voir si le bug m'a répondu, tiens. Je vais voir si le bug m'a répondu. Ouais.
Hop là. Hop. Oula. C'est... Je sais pas, c'est mon nouveau petit délire là. Parler de ça avec des gens, des inconnus, les aider si possible. Discuter ni... Y'a un bouc qui vient de crier. Oh, ok. Je sais pas ce que vous voulez faire passer comme message, mais... Pourquoi pas. Aïe. Du coup, la vue en contre-plongée, là, tel le dictateur que je suis. Oh, oh, on voit mon petit chignon. Fait à l'arrache. Ouais, non, ça me... Ça me saoule. Ça me saoule trop. Bon, du coup, si jamais... Oh, je... Wow, y'a pas que... Y'a pas que de la... Y'a pas que de la salive dans ce... qui est venu. Non, si vraiment... Il n'y a pas de moyen. Bon. Si vraiment c'est que l'objectif, c'est chiant. Mais ça pourra se changer. Et je pourrais peut-être essayer de. D'investir dans un objectif plus adapté pour le stream. Quoique, non. On reste focus sur la photo. Peut-être reprendre le même parce que c'est un classique. Quoique, il est quand même pas mal. Il est un peu cher quand même. Même si c'est un très bon truc. Mais ça me dépite, honnêtement. Et si ça remarche pas avant le week-end, on va devoir faire des streams tout le week-end, comme ça. C'est beau, hein. C'est beau, la technologie. Après, je pourrais utiliser mon téléphone comme webcam, mais... Bah non, j'ai rien pour le tenir. Bon, bah non, on va devoir être comme ça. Ça me turlute. Oh, si seulement. Ça ne veut rien dire. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu que Soso était en live sur... Sur un jeu Five Farm, j'ai... Et elle l'a eu sur un site, j'ai oublié le nom, mais elle me l'avait partagé, qui en gros propose des clés à des personnes contre des vidéos TikTok, YouTube ou autre. Et du coup, c'est bien. Et là où je voulais en venir, c'est que... Il y a moyen, si je réussis à me connecter ou autre, que de 1, du coup, j'ai quelques jeux gratos. De 2, ça me fasse reprendre les TikTok, car c'est en échange de TikTok ou de vidéos YouTube pour des YouTubeurs, ou enfin voilà quoi. Du coup, voilà, c'est là l'à peu près bonne nouvelle. Bon, je vois qu'il y a toujours personne. Je vais voir s'il y a des gens qui ont vu la story. Hop, là, je me dépêche, hein. Absolument personne, let's go! Ça, c'est beau! Faire des stories travaillées, c'est faux, pour que personne ne les voie, let's go! Aïe, 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 aïe. Ah non, je suis vraiment dépité, en vrai. En VDV, vrai de vrai. J'espère juste que c'est un problème temporaire. Mais bon, ça semble mal parti. Hein. Et non, du coup, ce soir, je pense qu'on va faire un petit stream chill. Je vais voir si Lamina serait, et Luxo serait partant pour faire du CS. Quoique, je crois, elle est en live, là. Ah non, c'était hier. Attends, si je regarde là. Ok, non, bah rien. On va dire que niveau fatigue, c'est pas fou. Moral, là, ça m'a mis un petit coup dans le bide. C'est génial. D'ailleurs, je suis allé à la salle cet après-midi, donc direct après les cours à midi. Le temps d'y aller, midi 45. On est ressorti à 17h. Comment vous dire que, certes, c'est un full body, c'est normal, mais... J'ai mal. Ah, vraiment, ça m'a destroy. Ça m'a complètement détruit. D'ailleurs, on a fait du studio aujourd'hui. Bon, hier aussi, mais je vais voir si j'ai des photos ou des vidéos. Et franchement, c'est stylé de fou. Non... Ah, vous voulez que je vous montre ce qu'on a fait en cours? Alors, ouais, non, j'en ai pas.
Ce que je vous montre, ce qu'on a fait en cours, c'était hier. Non, c'était aujourd'hui, autant pour moi. Hop, alors. Bah non, bah la musique, elle peut rester. Le temps que j'enlève le flou. Voilà. Vous pouvez voir le magnifique bordel. Et du coup, ouais, là, je peux mettre en pause. Et du coup... Bon, bref. Ça bosse fort, hein. On n'avait rien à faire. Du baseball de gomme. Du baisse-gomme. Non, en vrai, c'était galerie de fou. C'était galerie de fou, mais... Mais bon. Si seulement c'était... Non, si c'était tous les jours comme ça, ce serait un peu chiant, honnêtement. Mais de temps en temps, c'est un peu galerie, honnêtement. On va pas se mentir. Tiens, je vais voir si je peux rajouter un effet, du coup, pour que ce soit mieux. Tiens, je vais essayer. Si je fais ça, boum. Ah, c'est censé supprimer le bruit. Bon, ça marche pas de fou. Et bah, je vais le supprimer. Parfait. Comme ça, ça me pompera un peu moins d'énergie sur mon PC. Non, c'est un truc qui a servi à rien, j'ai essayé, voilà quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement des goutax en fait. Je le vis trop maintenant. Le mec qui abuse là. Hop. Attendez deux petites secondes. Évidemment, on n'oublie pas. On n'oublie pas de se moucher avec du PQ parce que pourquoi pas. Pourquoi pas en fait? Et voilà en fait. Du coup, je pense qu'on va pas perdre de temps et on va aller sur un petit jeu si vraiment l'envie me. Oh, j'arrive pas en fait à me lancer, même c'est un jeu que j'ai déjà fait, que je connais, qui est très bien. Mais j'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à me dire let's go. C'est par période, je sais, mais là c'est. Je suis dans un mood où, bah... Voilà, quoi. Allez. On lance, on se force. Enfin, on se force, non. Mais on se motive à lancer. Et c'est que comme ça qu'on pourra jouer. The Fable Wood. Attends. The Fable Blood... Bah ça, ok, non, je vais annuler. Hop. The Fabled Wood. Parfait. Je crois que c'est ça. Et c'est y part. Let's go en fin de temps. C'est un jeu qui dure une heure, qui est sympathique. Et puis voilà, tout simplement. Oh, ma petite sieste de 2 heures, là, j'ai l'impression qu'elle m'a à peine requinqué, mais de rien du tout. Oh, je l'entends, le PC qui chauffe. Ah, déjà paramètres, graphisme, ok, bah, s'il te plaît, respecte-moi, mouvement de tête, ouais, abuse pas non plus, soyons fous, champ de vision, on va laisser comme ça, gamma, upscaling, ouais, on touche à rien d'autre, ray trace, j'ai envie d'essayer, sauvegarder appliqué. Oui, ensuite, interface utilisateur langue français. Parfait, merci. Souris et contrôle. Audio. Et bah, let's go. Nouvelle partie. Zéti pas en plein temps. Salut Jean-Pat de Bourgogne. Comment tu vas?
Ah, salut Ratti. Bonjour mon chat. Salut les petits trollitos, vous allez bien? Aïe, 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 aïe. Du coup, on va aller sur The Fablewood, un jeu qui est super bien, qui est assez rapide, qui est très fort. What do I say? It's been so long since I've had company. Ouais. Oh, it's you. Je peux pas baisser. What a surprise. Non. Not a lot of other folks come and visit these Trois parts. Personnes qui viennent en même temps. I should have known. Voilà. You should. Ouf, 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 ouf. Non, pas, mais qu'est-ce que. Tu m'excites. De rien. Aïe, 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 vous avez fait quoi de beau? Oh merde, ça y est. Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Hop, ensuite graphisme. On va peut-être pas tout mettre en épique. Boum, boum, boum. Boum. Sauvegarde et appliquer, oui. Aïe, aïe, aïe. Allez, ça commence. Let's go, salut! J'ai pas envie. Là, je suis pas dans un mood à faire joujou avec les trolls, ok? Petite rank Fortnite, no build, c'est beau. Allez! Hop. Zetipar. Bon, bah, génial. Génial, ça. Et c'est en QWERTY, envie de canner. Envie de canner! William. Ah, oula, la sensibilité, ok, on règle tout en 2-2. Souris, contrôleur, sensibilité, boum, 0.6. Ça a l'air d'être bien. Et nickel. I came back to these woods. Parfait. I could feel him again. If only I could tell him how sorry I am. That's enough about me. We're here for you. Okay. These woods hold the answers to your questions. Everything will be explained soon. And this time, please pay attention. T'inquiète mon ref, je connais le truc. C'est un jeu très contemplatif, un peu de balade, donc typiquement le genre de jeu que j'apprécie. Et il est pas extrêmement beau honnêtement, mais il a son petit charme. Regardez-moi ça. Cette forêt au premier abord somptueuse, qui, vous le verrez, va vite changer d'ambiance. Là, si je me souviens bien. Ouais, non, ok, faut que je fasse. Oh, un cerf. Il y a un cerf. Ah, ouais, bah, d'accord. D'accord, moi j'ai voulu l'appâter avec le cri du cerf. Il a pas voulu venir. Et bah tant pis. Bah tant pis pour lui. Ça lui apprendra. Ah, je peux interagir avec ça, ok. Bah. Non. Ah, ok, c'est bon. Parfait, là y'a rien. Comment je fais pour le laisser? Comment je fais pour le faire retourner? Ok, non, c'est bon. Faut juste que je double-clique. Ensuite. Ah. Ok, faut que je vais le mettre en plein écran. Graphisme, boum, pouip. Appliqué. Ce sera mieux. Ça va, ça, y a pas trop de chute d'FPS de votre côté? Ensuite, qu'y a-t-il, mes chers coupings? Ah oui, si je me souviens bien, il y a une mécanique qui est plutôt sympathique. Ah, là, il y avait un truc. Non. Ah oui, je peux aller dans l'eau, je crois. Non, je peux pas aller dans l'eau. Il faut que je revienne en a. Oh. Ok, c'est y part. Pourquoi pas. On se souvient fort. Et du coup, c'est là qu'il y a le premier élément. Un caillou.
Let's go. Mais encore. Je vois rien, ça me fait écran noir. Et oh le jeu. S'il te plaît. Pourquoi ça marche pas? Je suppose que c'est normal. Et oh. Vous voyez quelque chose, vous? Je sais pas si on laisse un peu de temps. Ok. Non, toujours pas. C'est quoi cette merde? Bah, je touche à rien. Pendant 2-3 secondes, et puis on verra bien. Et bah, let's go, j'ai l'impression que le jeu a décidé de déconner. On va... Hop, quitter. Oui. Et on va relancer. C'est peut-être juste un problème, parce que pourquoi pas. On reprend, et c'est y part. Yes, on reprend au spawn. Mais c'est génial, t'in. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est pas comme si c'était long. Ça se fait en 2 minutes. Donc, let's go. On va pas s'arrêter à contempler, c'est la magnifique vue, hein. Bien que. Ah, c'est vraiment idyllique, hein, comme paysage. Le genre d'endroit où on aimerait tous vivre quand il fait beau comme ça, mais quand il y a de la pluie, de l'orage, qui fait tout noir et tout, c'est moins fun. Ça fait peur. Puis voilà, salut, salut ma biche. Ah voilà, j'interagis fort. Ensuite, je réinteragis fort. Pour ensuite aller là. Ok, si je reviens en arrière. Waouh. C'est de toute beauté. On reçoit les indices et puis ça devrait être bon. Et là. Ok, ça fait pas écran noir. Ça fait écran blanc. Ah. Ah. Ok, on voit un petit peu là ce coup-ci. En fait, c'était normal, c'est juste que moi, comme un con, je levais la tête. Par contre, je vois pas du tout ce qu'il y a. Ok. I'm sorry, life has become such a mess. Ok, pourquoi pas. On avance. C'est pas la joie, hein, les textures, là. J'aime bien quand je vois un peu ce que je fais de base. Ok, là, j'aime mieux. J'aime mieux. C'est toujours un peu torturé, mais c'est sympa. Je crois qu'il y a eu... Il y a eu quelques décès. Oh, l'écran blanc, mais faut arrêter les... Un nouveau chemin s'ouvre à vous. Bah, ok. Oh. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait? Ah! Ah, c'est moins fun, ouais. C'est... Je fais genre je suis surpris, mais je sais déjà.
Mais ouais, c'est... Fais pas la voile. Est-ce que dans mes sous... Non. Hop, c'est y part. Et le chemin est ouvert. Excellent. Ensuite, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Un pan. Larry. Oh, encore le cerf. Pauvre caméra, merci Natouf, merci pour ta compassion. Enfin, je pense que c'est l'objectif qui a dû se prendre un coup ou autre, mais... Ah, ça fait mal. Comment tu vas? T'as fait quoi de beau aujourd'hui? Ok, un endroit plutôt sympathique, une table de pique-nique. Voyons voir dans les souvenirs, les cours, etc. Ok. Pour l'instant, il n'y a aucun souvenir. Je suppose qu'il faut que j'avance un peu. Ah, si, ça m'en avait débloqué, là. Regardez. Ah non, je croyais. My bad. Oh, c'est vraiment magnifique. Ce jeu, je l'ai déjà fait une fois, il y a un petit moment, et je l'aime trop, et je l'aime toujours autant, en fait. Parce qu'il est beau, c'est un jeu de balade, il raconte une histoire un peu mindbreaker et tout. C'est quoi le but? Tu verras. En fait, quand on est là, on se plonge dans nos souvenirs, enfin dans des souvenirs. Et là, c'est le monde normal, quoi. Et ça raconte une histoire. Et bah, tu verras. J'ai peur. Bon, il est tout joli, le jeu. Pourquoi t'as peur? C'est... Je te rassure, il y a zéro screamer, il y a zéro truc. Il y a zéro truc, voilà. C'est faux. Ok, tu m'as troll. Bah, je veux. C'est moi qui ai peur de toi, en fait. T'es trop un gangsta. Wesh. Oh, les FPS. Oh. Ok. Il y a une croix. Là, il y avait un truc, je crois. Non. Ah, là, il y a aussi une croix. Blagounette, mais t'as un petit comicou. Il y a un truc, une lampe. Have you ever found yourself feeling like you're being watched? I decided to go to the lake and catch some fish for dinner one night. Mm-hmm. I had caught a couple when I got this sense that something was watching me. Yes, c'est génial. Pourquoi I know il est mort, bears roam these parts, but this was not a bear. I could feel it across the lake staring at me. I got up, reeled the line in, grabbed the fish and went inside. I've never felt like that before. Les FPS, c'est pas le bonheur hein, actuellement. Là, y'a rien. Là, y'a un truc. Ah! This is where it all ended. This is where I drunkenly fell asleep and failed to protect my boy, William. Because of me, he drowned. Oh, okay. I should have been there to protect him, but I cared more about the bottle. Du coup, on peut imaginer que le fils du Faithless, la face de la vérité, un truc comme ça, que le fils de notre protagoniste est mort tout simplement, et qu'il s'en veut énormément, ce qui est complètement normal, c'est normal de s'en vouloir. Ah! Fire brings people together out here. You understand. When the chores around the cabin were done, William would always beg to get a fire going by the river. Of course, it always started out as a much larger fire than we needed for our little pit. Nothing to distract you. No worries, guilt. We were at peace with the world. Oh, il y avait une croix. Là, il y a quoi? Pourquoi c'est...
J'avais cru voir une croix. Ok, non, il n'y a pas de souvenir là. Je vais retourner dans le cabanon. Guilt, coupable. Ok, super mec. Est-ce que je peux genre l'ouvrir là? Non. Mais là, il y a un truc, une croix. Et si je retourne dans le monde actuel... Ah! J'ai les clés du chalet. Eh bah, let's go. Attends, il y a quoi, là? Rien. Ok, je vois. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses du jeu pour l'instant. Avoir ton avis là-dessus. The place feels so empty without William, but it's held up well over the years. On suppose que depuis la mort de son fils, il n'est pas revenu. Un Tokyo Walkie, très bien. Ok. Oui, évidemment, il était accro à la bouteille. Look at this garbage. They were laughing at me. Told me to go back to the cabin and stay out of the sun for a bit. There is something or someone watching me out here. Why did I think they would believe me? They need to be warning the people not to come into these woods until this has been solved. There is something happening out here, and no one will do a dang thing about it. Un ermite excentrique et asocial affirme avoir vu un monstre, par Chris Gord, correspondant à la Gazette quotidienne. Malgré l'absence de pistes dans l'affaire des disparitions récentes, un reclus vivant dans une cabane au fond des bois et bien connu dans la région affirme avoir résolu l'enquête. Notre informateur rapporte avoir vu Larry rendre visite à la police lors de l'une de ses rares sorties en ville. Selon le témoin, Larry se serait plaint d'une créature aux allures de loup qui, d'après lui, chasse dans la forêt et l'aurait menacé à de multiples reprises. Il va de soi que la police locale ne considère pas cette piste avec sérieux, et il nous reste encore à interroger Bigfoot et le monstre du Loch Ness pour savoir s'ils sont venus nous voir récemment. Vraiment un torchon, quoi. C'est juste pour se foutre de la gueule du Boog. Ok. Encore des clubs. Ah. Faut trouver les clés de ça. Je suppose, bah on va tout fouiller. J'ai déjà fouillé ces tiroirs. Non. Why was somebody bringing chemicals out here to the woods? That bottle you're looking at is what started this whole mess. That's when I knew I wasn't alone. Turns out mine wasn't the only cabin out here anymore. But next to that cabin, though, was a cage. But it wasn't empty. And it weren't no bear. It had fur, gray and black, like a wolf. Oh, non. But it also had skin, rough, like a man. I couldn't make sense of what I was seeing. I grabbed this bottle, hoping I could bring it to the police. Maybe then they would believe me. Ok, là on a encore des dessins du gosse avec son papa et un certain Hank. Visiting our old friend Hanks, incroyable accent. Merde, Jaffa. Mais j'arrive pas à lire. Hey Larry, merci pour ta lettre. Ouais, c'est vraiment silencieux ici.
tellement bien et c'est tellement bien et clair dans ma tête maintenant. C'est exactement ce que j'avais besoin actuellement. Tu sais comment la vie peut être twistée. Mais qui suis-je pour dire ça, lol. Pas de souci avec la direction que tu as pris. Il y a des arbres et de nombreux autres arbres. Parfois, il y a des ratons laveurs. Mais ce n'est que des visiteurs. Je n'ai jamais vu aucun ranger par ici, d'ailleurs. Mais tout bien. Vas-y, hop, tout pareil. Hop, c'est bon, j'ai les clés. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est quoi la touche pour lire? J'arrive pas à lire. Oh, je retrouve pas la touche, et bah tant pis. Ensuite, nous avons quoi? Une lumière rouge, évidemment. Un petit pot, encore de l'alcool. Une tasse, parce que pourquoi pas. Et là, nous avons quelque chose de plutôt... Comment dire? Plutôt pas fou. Mais encore. Ok. Why can't I have peace? Comment je pourrais avoir le One Piece? D'ailleurs, Natouf, tu vas faire quoi de beau ce week-end? Est-ce que tu vas aller te balader en forêt? Faire des 3-6 avec ton skateboard? Jouer à la PS7? C'est... Il a l'air torturé, en effet, le Boog. Ça, c'est pas foufou. Ah, ce coup-ci, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Why don't you let me leave this place? Et là, évidemment, il y a une petite cadavre. Ah, et il y avait un truc à prendre. Et la machette. C'est bon. Bon, comme vous pouvez le voir, notre protagoniste a été a l'air plutôt torturé. When I found that cabin, I knew what I felt wasn't right. I just didn't know that night would be my last. I didn't know what it was, but what I saw in that cage had come for me. Whoever made that thing must have known I went to the police. This is where my story ends. Drunk and scared in a corner. Is this how William felt? Alone and scared. Your story carries on. You must learn the tales of these. Ah, en fait, c'est l'histoire des gens décédés qu'on est en train de vivre. We all live with our actions. Ok, c'était ça du coup. But do you go now? There's someone else who would like to see you. Un nouveau chemin. Ah, c'est bon, c'est. C'est réparé, là. Et bah, let's go. Let's go, le pont. I like pont. I like ponce, aussi. Mais c'est autre chose. Oh, encore une bille. Sarah. You're back? Not again. I guess we'll start where we always do. I'm Sarah. I came out to these woods to get away. Much like Larry. While I didn't lose a son, I did take one away. You see... I'm a forensic archaeologist. I dig up bones for a living, and I'm quite good at it. Until my last case, my evidence put the wrong man behind bars. I'm out here to solve a cold case, make what I did right. Come on, there's not much daylight left. Ouais, allons-y avant que la nuit tombe. Je vais juste me moucher, parce que pourquoi pas. Hmm.
Encore une fois, un bois idyllique. Et... The first place I dug. Being an archaeologist, you learn over time to never expect anything on your first attempt. It's like waving a magnet at a haystack and the vague hope you'll find the needle, but you have to start somewhere. And for me, this was it. I didn't find much, although it was nice to rule out the area. Oh. Quitte. Enfin, part. Ok, super. Je vois qu'on est apprécié dans ces bois. Ah. Ouais, mais encore. Ah. My office. I spent a lot of time here. More than I did at home, I guess. Donc là, il y a des dossiers. Une machine à écrire. Encore des dossiers. My first case, an adolescent homicide. Sometimes it's easier to use the official wording than to say outright someone killed a kid and left their body on a roof. I spent so many hours in that chair trying to figure it out. Ah. Ok, encore son bureau. How I found out I put the wrong man in prison. The DNA didn't match, but that didn't matter. He's already behind bars, and our justice system is not about to make itself look bad. My superiors look at me with disappointment. They know what I did, and that there's nothing that can be done. Pourquoi le son est devenu moins fort? Ok, on continue, mais encore. On peut voir qu'elle a fait des erreurs, malheureusement. Who did this? My office, all my things, my papers, my files, ah! Years of my life are in here! All my cases, everything I ever worked on, all scattered and messed up. Who would do this? And why? Why? Oh, on se le demande. Ensuite... Ah, bah la porte s'est ouverte, pourquoi pas. On peut voir qu'après ses erreurs, elle est partie un peu en vrille. So many pieces. Elle avait besoin de paix, effectivement. Sometimes it's only when you step back and take a look at the whole tableau that you can make sense of where each individual fragment belongs. What it all means. But you, I could never make sense of you. And now this? How dare you? Je crois qu'elle en veut à quelqu'un, mais je suis pas sûr. Elle en veut à une hache. Bah, on a passé le pont. Mais c'est génial, hein? Truth be told, seeing the wrong man behind bars really made me question my ability. I put what I found into evidence and finalized a man's life. I should have checked it, but instead, I was in a rush. I was fooled. Nothing here either except animal bones. Again. I remember finding it a little odd that I never once caught sight of a deer or anything that they could have come from. Strange. I thought, given how disturbed the topsoil was, I might be onto something. Unfortunately, another dead end. Y a-t-il quelque chose là? Non. Ah, j'ai l'impression que c'est des os, ça. Ouais, 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 ça ressemble fort à une colonne vertébrale humaine. Soyons honnêtes. Ça a même l'air d'en être une, hein. Quasi sûr. Très bien, mais encore. Ah tiens, il y a autre chose là. Là, il y a rien. Encore des ossements. Ok. Et il y a zéro souvenir. Si. Non. Ok, bah continuons. On va forcément trouver quelque chose. The strangest thing happened one morning while I was digging. I started to feel something watching me. I'm not crazy, but
We've all had those moments. This felt too real. I haven't seen any animals in the woods. What could be out there? I kept digging, but that feeling lingered. I stood up, looked around, but I couldn't see anything. I should have left, gone home for the day and never come back. I was too focused on solving the case. After a while, the feeling went away, and I got on with my digging. Didn't that scare me? Guess not. I just kept going. Ok. Donc, elle était passionnée, on peut le dire, par son travail. Elle creusait, elle ne s'arrêtait pas. Et elle voulait trouver des réponses à cette affaire. By this point. I needed to solve this case. Thinking back, it was stupid of me to think I would find the answers so quickly. I was rushing again. If I wasn't careful, I could lose my job, put another person away that doesn't deserve it. But they had to be out here somewhere, and if I wasn't finding them, where else could they be? Oh là, ça pue l'indice. Turn around, tourne-toi. Pourquoi c'est cassé? Eh ben, je crois que l'objectif a dû se prendre un mauvais coup, et du coup, il est plus reconnu. J'espère que c'est ça. Lundi, j'ai demandé à une amie si elle me répond, voilà, lundi, je pourrais essayer avec le même objectif. Mais je préfère me dire que c'est que l'objectif qui a reçu un truc. Parce que si c'est l'appareil, là, ce serait grave. Pourquoi c'est humide? Pourquoi c'est... Il y a moitié de la condense... Comment ça peut pas avoir pris l'eau? C'est censé être... Bah attends... Mais pourquoi c'est humide? Ah! Quoi? I hope so. Ouais, parce que cet objectif, seul, parce que je l'ai eu avec l'appareil, il est à, je crois, 220 balles, donc... Et voilà, un peu dégoûté, on va pas se mentir. Sinon, t'as fait quoi de beau aujourd'hui? T'as prévu un stream? Ou pas? Ou juste passer une soirée chill? Ah ok, c'est là, il faut que je me souvienne. Ok. Qu'est-il par là? Là, ça commence à être plutôt abondant, les souvenirs. Là, il y a un truc. Là-bas. Non, demain matin, j'ai un examen, un samedi. Bon courage. Bon courage. Ah, ok, faut que je retourne dans les souvenirs pour prendre la hache. Oui! Let's go. T'as vu le gros Matisha? Il est pas bien gros, hein, honnêtement. Il fait genre 25 kilos pour 1m93. J'exagère probablement, mais... Ah, tu parlais pas de Matisse. Pour moi, Matisha, je sais pas, c'était le surnom que tu donnais à Matisse. Elle parle des corps. Son métier, c'était de trouver des corps. Ah, alors, il a pris du poids. Il a pris du poids. Il est devenu... Il a un beat proéminent. From Matisse to moi, en fait, mais avec 93 cm de moins. Ok, le nouveau chemin s'est ouvert à moi. Et c'est y par. Du coup, notre chère, la personne qui a parlé, on suppose que c'est elle qui a fini. Ironic, for someone so ouais. Used to discovering and excavating lost bodies, that I'd become one myself. For all the years I spent unearthing bodies. Ça me fume. Genre vraiment, le mec, c'est une écharde, genre il est comme ça. Il porte une grosse doudoune, 45 cm de volume par manche. C'est, ça me fume de rire. Enfin, je sais pas si c'est réellement ça, mais ça me ferait bien rire. Maybe I deserved this. I was fooled by the beauty of these woods. Ah, c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique. I only hope that you can find the answers you need. That everything that happened was not in vain. Push forwards, but prepare yourself. You stand on the verge of a terrible darkness. Ça met vraiment en confiance. Bonjour, Lulu. Comment tu vas? You're here, finally. Yeah. Let me tell you a story.
You'll like this one. It's about you. Now, I wouldn't call you the hero, but everything in it revolves around you and what you did. You don't remember anything, do you? Of course not. You're a coward. I'd say you disgust me, but, well, it's a little more complicated than that. Vas-y, explique-moi, du coup. Come on, through the door. Avec plaisir. You're so close now. Don't you want to know how all this ends? Ce jeu, je l'ai déjà fait une fois et je l'aime trop. Il est bien. Attends, je veux voir ce que ça donne avec le RTX en off. Paramètres, graphisme. Oui. The old lab. Hop. Ok. Lab. Ça change rien, let's go. Cramped working cheek by jowl with those fools on their useless, stupid little trivialities. Nothing more than distractions. Ah. They dismissed my ideas as wrong, then begged my help for their own work. If only they could have seen what I was working on behind their backs. I knew I had to get out before they found out what my little side project was. They wouldn't have understood. They couldn't. I was so very Une transplantation, ok. Et il a un petit melon, le bougie. Ah, il y a quelqu'un... Ah non, la porte s'est réouverte, ok. Ensuite... Oh, quand j'avais fait la première fois, ça avait bug. Mais là, c'est bon. J'aime trop l'ambiance, regarde, c'est trop beau. Attends, est-ce que... Oh, je veux voir là, sans le RTX. Mais ça change rien! À quoi ça sert d'avoir un RTX? J'aurais dû prendre un AMD. non, par contre, calme-toi. Hop. No more dingy little space hidden away from prying eyes. Out here, I am free. Ah, c'est de la peinture, YouTube. Enfin, oui, c'est de la peinture. When I'm finished with any biological material, human or animal, I simply seal it in a bath of acid and drop it to the bottom of the lake. What I wouldn't give for an incinerator. Still, there are always trade-offs, and I must make do with what I have. A small price to pay. Personne portée disparue par Chris Gord, correspondant à la Gazette quotidienne. Jessica Wheeler, donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, a disparu ce jeudi après une randonnée dans les bois hors de la ville. À l'heure actuelle, elle est portée disparue et la piste de l'accident est privilégiée. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un équipement de randonnée, des bottes marron, un pantalon kaki et un t-shirt vert foncé. Elle transportait également un sac à dos de randonnée. Ses amis hors de la ville et sa famille ont été contactés, mais personne ne l'a vue. Elle a toujours adoré la randonnée et se promener en forêt. Ah non, c'est pas le doux. Nous a dit Suzanne, sa mère. Nous avons toujours craint que quelque chose arrive, que quelque chose comme ça arrive, mais pas à notre fille. La famille offre une récompense de $1,000 à quiconque aurait vu Jessica et les aiderait à la retrouver. Très bien. T'es encore là, Lucie? C'est donc ça la fameuse cage dont il parlait au début. Donc je suppose que la maison de... Ah non, ok, on la voit pas de là. Ouais, voilà, il s'entraînait sur des grès. I'd often ask myself if what I was doing was right, was just. Progress demanded sacrifice. Imagine the potential. Cures for cancers, for wasting diseases and childhood afflictions. If I could rid the world of these things, nobody would care about how I did it. I'd be a hero, forever immortalized as one of the true scientific greats. Super, on peut voir qu'il a une mentalité un peu tordue. Hein. It worked. The experiment. It worked. A breakthrough I could never have dreamed of back under the watchful eye of those fools. I had my doubts back in my old lab, but out here, I felt anything was possible. And I could do absolutely anything.
couple disparu par Chris Gard. Nick Rafter, 32 ans, et son épouse Ashley Rafter, 34 ans, ont été portés disparus lors d'une randonnée en forêt mardi dernier. Ils avaient annoncé à leurs amis et à leur famille qu'ils seraient de retour vendredi matin. Mais ils ne sont pas rentrés. Selon une source d'information proche de l'affaire, un campement aurait été trouvé, portant des traces de bagarre. La dernière fois qu'ils ont été vus, c'est les deux du tout début. Ils portaient des vêtements et des chaussures de randonnée ainsi que des sacs à dos. Si vous détenez la moindre information, merci de prendre contact avec le poste de police local ou avec nous à la Gazette quotidienne. Ah, ça nous remet. Oula, FPS. C'est pas fluide. Go further, be bolder. I had no choice, did I? I took another. A man camping with his wife. I needed him. If I hadn't taken him, they might have stumbled on my lab. It's too valuable. I can't stop now. That's what I told myself as I beat the wife to death with a rock. She tried to stop me from taking her husband. Sacrifices had to be made. But I lay awake at night. I couldn't get her face out of my head. Tu m'étonnes, tu es un tueur. You're a little psycho. Pretty little psycho. Ah, le vieil homme. He'd been staying in his cabin. He went to the police. I decided to see what effects the grafts would have in terms of aggression and capacity for violence in the subject. Nothing could have prepared me for this. Ok, c'est par là. I just want to be left alone. Why do they keep coming? I couldn't let her find out what happened. She didn't deserve this, though. I can't stop it. I can't control it. What have I done? How could I be so wrong? Ah, je sais pas, ça c'est ton souci. Tu fais de la merde, c'est ton souci. Last night I had a nightmare. I was in the woods. Everything familiar, walking through the trees. He was there, the old man from the cabin. He spoke to me like a friend. Every night now, the same dream, the same path, the same voice. I can't sleep. When I do, I awaken among the trees. She is in them too. Now, the woman, the digger. She's not my friend. She screams at me. Oh, ça, c'est un coup de feu. I can't wake up for hours. Au vu du bruit. She knows everything I know. She knows what I did. Ok, c'est quelqu'un de torturé, hein. Un connard, mais un connard torturé. Ça n'excuse pas. When we last spoke, I told you to learn your story, to find answers, to find those stories I couldn't finish. You wronged us, both of us, in the worst ways imaginable. But what's done is done. You can't change that. Nobody can. There's no sense in going back and reliving it over and over. The outcome is always the same. I made a life digging up the past. But now, it's time to put it to rest. You understand now. We couldn't just tell you. We had to let you see. And now, you know what we know. You feel what we feel. We couldn't rest until we moved on from this. And neither can you. Over and over again, you've lived this, seen this, again and again. You're cursed, can't you see it? The weight of the guilt drags you down and sets you back on that path, endlessly. There's only one way this ends, but for us, it already has. Je crois qu'elle parle de la mort. What you did was awful, but you know that now. You feel the truth burning inside you. An animal you must set free. Acknowledge what you did. End the cycle. Move on. And know peace. We forgive you. Moyen, hein. Moyen. On me tue, je suis pas sûr si je pardonnerai le tueur. Again, the same dance,
The same steps? Why? You know all this. You've known it all along. And yet every time you choose to forget, to wake once more among the trees, to relive your nightmare, our nightmare, you push the truth away, refuse it, so much so it's become me. But I don't exist. Only you do. You and all you've done. Enough, enough of this. You can't keep walking that path like a stranger. You can't keep choosing to forget as you have. It's starting to break down. The dream, your memories, keep pushing through, taking her voice, my voice, your voice. It's time. You can't do this again. Walk that path again. It has to end. And here's where it finally stops. On fait quoi? Acceptation ou déni? Turning your back on what you did. You can't keep lying to yourself. Just stop. Stop. Only you can make the choice. On va faire. So what will it be? On va faire le connard. Et on va. On va rester dans le déni. Bah. Ok, attends, déni. Hein? Acceptation. Ok, les deux portes n'ont pas de texture. Pourquoi pas? Et que donne le déni? Est-ce qu'il y a quelque chose après ça? Ou alors c'est la fin? La fin d'une aventure, la fin d'une épopée. Et c'était la fin de The Fablewood. On n'accepte pas ce qu'on a fait, on reste dans le déni. Ah, oh, c'est pas fini. Haven't you learned? We are ready to move on. Why can't you? There's nothing to find, nothing to oh, learn. Il nous laisse pas comme ça, je vois. Please, let us go in peace. Vas-y. C'est marqué quoi? Wesh. Ah, je verrai ici le déni, tiens. À tous les coups, ça va être la même parole. En fait, ça va être en boucle pendant une heure. Bah, je peux pas y aller. Ah non, je peux plus dénier. Enfin, je peux plus être dans le déni. Ok, bah, je vais accepter, écoute. Là, en fait, il n'y a pas deux choix. Très bien, fallait mettre acceptation dès le début. Ah, ça, c'était des feux d'artifice. Ok. Nobody should live in hate and sadness forever. By choosing the love of those you wronged, ok, donc ça c'est William et le père. Ça c'est celle qui creusait les tombes. Ça c'est moi, je suppose. Eh bien, c'était fort sympathique. J'espère que ça vous aura plu, ce petit jeu. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Pour mon arrière-grand-père, Larry, tu me manques. Bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Comme d'hab, en fait, c'est finito. C'est finito, mais le stream n'est pas fini quant à lui. On va rester chillax, on va rester en discussion. Ah merde, je suis encore en QWERTY.
Hop, français. Parfait. Évidemment, comme vous pouvez le voir, mon titre est adapté à ce que j'apprécie, c'est-à-dire les micros. Et let's go, en fait. Est-ce que j'ai eu quelques messages, Didi? En point du tout, en... Point du tout, en... Eh ben, tant pis. Ah, tiens, je vais en profiter pour voir s'ils m'ont répondu sur Insta. Oui, si tu veux. Oh, merci, tu me sauves. Et voyons voir ce qu'a dit Elliot. Mec, c'est chaud quand même, genre du jour au lendemain ton truc il s'est dit non, je marche plus, genre. Mec, en vrai, essaie de regarder si c'est pas un problème de mise à jour. Parce que tu sais, autant ton objectif il est plus à jour, et du coup, bah voilà. Alors Elliot, pour la mise à jour, bah je vais voir ça, j'y avais pas pensé du tout. Après, ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment une mage. Mais je pense qu'il a dû se prendre un coup dans le sac. Après, je trouve ça stupide. Il était un peu protégé quand même. Et c'est un truc qui est fait pour être trimballé. C'est fait pour. Donc, je t'avoue que ça me fout un peu mal si c'est vraiment un coup qui a pu le mettre en PLS. Enfin bref. Je vais voir pour les mises à jour. C'est vraiment pas bête comme idée. Attends. Mise à jour... Jour Sony ZV-E10 Lens. Menu, alors attendez, je regarde vite fait. Menu, setup 5, version. Menu. Setup 5, version. Non, bah, pourtant, c'est à jour. Le truc est à jour. Bah, je vais lui dire. Bon, je viens de voir sur l'appareil photo et non, il est à jour, donc... Et donc, c'est un peu chiant. Ça m'énerve. Attends, je veux voir, juste pour chialer un peu, vite fait. Ah, vraiment, ça me fout trop mal. Sony ZV-E10 Lens. Mais ça meurt. Il s'agit du truc de bas. C'est quoi ce prix? Ouais, ça. Attends, 35 mm. Bon, ce sera plus zoomé que ce que j'ai actuellement. Un F1.1. Mais c'est incroyable. Ok, donc oui, c'est compatible. C'est un F1.1. Ah, c'est manual focus, ouais, c'est pas gênant. Mais c'est vraiment incroyable. Ça, j'aime beaucoup. Ajoutez à votre liste. N'hésitez pas, si vous êtes de riches mécènes... Ma liste d'achat est publique, voilà. Tiens, toi, je peux t'enlever. Bip. Ah, c'est... C'est pas donné, mais bon, ça, je le sais, hein, c'est pas vraiment surprenant. Un peu chiant, mais bon. Ouais, 239 balles. Je veux voir ce qu'il vaut, celui que j'ai vu, du coup. Déjà, il est un peu petit, un peu moche, mais j'aime bien. Enfin, il a un style un peu rétro. Uh-huh.
Là, moi, je suis en 16 mm. Ouais, ça vaut un 50 standard. Bon, ça, c'est pas chiant, mais pas trop non plus. Voyons voir. Ouais, par contre, pour l'arrière-plan fou, ça doit être incroyable. Les avis. Non compatible. Ah bah d'accord, pas compatible avec la Sony ZV-10. C'est génial ça. Rentre dans le menu pour désactiver l'objectif à chaque... Oui bon. Ok, apparemment rien à redire. Bah c'est la seule personne à avoir eu ce problème. Ok, je vois. Je vois. Et bah tant pis. Bah je vais voir ce que ça donne, mais... Chiant, en fait. Chiant. Ça me vénère. J'ai envie de chialer. Nick. Allez, let's go, insulter H24. Let's go, être déterminé à foutre la merde. Oh là, il est pas trop good vibe ce stream ce soir, attention, on est fâché. Voilà. Moi je vais vous laisser. Ça m'a saoulé, honnêtement, ça m'a saoulé. On va raid le petit. Bon, le petit NLVCHT. Sur ce, j'espère que ce stream vous aura plu. Je vais vous dire à demain. À demain pour un stream de qualité. Probablement, je sais pas sur quoi. En tout cas, des bisous et au revoir.